Merci.
merveilleuse présence de Dieu. Amen. Une fois de plus, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce moment merveilleux. Et merci à mon frère, Pasteur Jarigad, pour la main d'association, pour ce grand travail. Je voudrais dire à quelqu'un, ne jamais mépriser le faible commencement. Quand Dieu peut commencer quelque chose, quand Dieu initie quelque chose, ça peut toujours paraître comme un signifiant début. Mais puisque c'est la sémence même de Dieu, elle est appelée à pousser. Gaat het amener à grandir, gaat het groeien, et amener à évoluer, gaat het zich ontwikkelen, et amener à progresser, gaat het vooruit, jusqu'à atteindre la maturité, totdat het volwassenheid bereikt. Alléluia. Amen. Et je crois que cette grosse elle est grande. On la sent dans l'esprit, elle est grande. Amen. Oh, je parlais de ce deux, si tu es d'accord avec moi, dis amen. 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 Elle est grande. Is groot. Et elle va aller de gloire en gloire. Amen. Je vais vraiment encourager l'homme de Dieu. Il est vraiment béni. Dieu va laisser des traces au travers de vous. Mais tenez bien ce que je dis. Par le Seigneur, Dieu va laisser des traces au travers de vous. Amen, amen. Je vois comme une restauration des cœurs, une restauration des familles, une restauration des vies brisées. Je suis en train de voir en esprit plusieurs personnes venir un peu de partout. En fait, ça sera un peu atypique. In de geest zie ik meerdere mensen komen van waar dan ook. Je vois pas seulement les gens qui habitent les parages. Niet alleen mensen in de omgeving. Je vois des gens qui viennent du nord, oosten, zuiden, westen. Et qui accourent. En die dan hier dans les temps à venir, in de komende tijd, il y aura des personnes qui viendront par recommandation divine. Zullen mensen komen Dieu va leur parler en vision ensemble. God zal hen spreken. Et Dieu va leur indiquer l'endroit précis. En de precieze plek parce qu'il y a la vie de Dieu. Omdat het leven van God. Peut-être même la conférence, ce n'est pas anodin, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vous a donné cela. Et là où il y a la vie, il ne peut qu'avoir du mouvement. Je suis en train de voir en esprit un mouvement par Dieu. Et ça va aller crescendo. Je sens dans mon cœur de te dire, multiplie les programmes, tous les trois mois fais des programmes. C'est ce que je ressens dans l'Esprit, et les actions. L'Esprit de Dieu va te conduire sur sur les thématiques, sur ce qu'il faut faire. Il faut le faire. Tu sais qu'il va déclencher un mouvement dans l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu opère toujours là où il y a action, mouvement. Dans le dynamisme, ça permet qu'il y ait action de Dieu. Alléluia. Amen. Créer de l'espace, Dieu agit. Ruimte en God werkt. Vous vous disposez, Dieu œuvre. U stelt zich beschikbaar, God werkt. Vous êtes assis, Dieu ne fait rien. U zit, God doet niks. À chaque fois que vous vous levez, elke keer als u opstaat, et vous faites un pas vers l'avant, en een stap vooruit, Dieu bouge avec vous. God beweegt met u. Je vous vois en train de bouger comme ça. En ziet u zo bewegen. Je vous vois en train de gagner, de rattacher. Ziet u winnen. Et je vois aussi des extensions plus tard. En ik zie ook later uitbreidingen. Amen. Dieu le reçoit. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis un peu confus. Vandaag ben ik een beetje verward. J'ai préparé quelque chose, mais je ne sens pas qu'il faut le dire. Ik bereid iets voor, maar ik voel niet om te zeggen. Je veux aller dans cette direction. Ik ga een andere richting. Donc, vous allez excuser si mon message n'est pas très structuré. Dus als het niet zo gestructureerd is, excuseer je zeer. Parce que j'ai reçu une autre orientation. Want ik heb een andere oriëntatie. Je préfère obéir à Dieu. En ik wil liever gehoorzamen. Faire confiance à mon schéma. En vertrouwen. Amen. Quelqu'un peut me donner un mot, amen. 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 Attends, Dieu. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, attache ta ceinture. Help me attache ta ceinture. Zet je riemen vast. Vous êtes un peu lent ici. Hein? Beetje traag. Tu dois sortir de la lenteur. Dis-moi à ton voisin, attache ta ceinture. Zet je riemen vast. Zet je riemen vast. Non, tu dois dire ça avec lui. Dis-le lui encore. Zet je riemen vast. Zet je riemen vast. Alléluia. God bless you. Donc je vais aller vraiment comme ça. Dus ik ga gewoon echt zo. Je crois que je crois la structure des choses, mais
Je crois aussi à la promptitude de l'esprit. Ik geloof in de structuur van dit, maar ik geloof ook dat de geest dingen kan doen. Dieu des fois est prompt. Soms is God zo Il peut ton organisation. Hij verwart je organisatie. Il peut rentrer dans son plan. Amen. Dans son organisation. Amen. Et dans son schéma. En op zijn weg. Je suis une personne qui aime être organisée. Wow. Ik hou van om georganiseerd. Mais je crois aussi que l'organisation humaine peut des fois nous sortir de l'organisation de Dieu. Maar ik geloof ook de menselijke organisatie brengt ons soms uit die van God. Je vais te préparer, Dieu te dit non. Va comme ça, tu fais quoi? Van je bereidt iets voor God en nee. Amen. Yes. Et aujourd'hui, je vais obéir. En vandaag ben ik gehoorzaam. Et puis Dieu va nous aider. God zal ons helpen. Genèse au chapitre 2. Genesis 2. Je parlerai ce soir sur l'arbre de vie. Over de boom van leven zal ik spreken. Dis avec moi l'arbre de vie. Zeg met mij boom des levens. Boom des levens. Dis avec moi l'arbre de vie. Zeg met mij boom des levens. Ok, Genèse chapitre 2. Genesis 2. Nous lisons à partir du verset 7. Vanaf vers 7. Jusqu'au verset 9. Tot en met vers 9. Ensuite, nous lirons le verset 15 jusqu'au verset 16. En dan vers 15. Tot en met 17. Tot met 17. Après, nous lirons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 2. Genesis 2. Il est dit ceci. Wordt zo gezegd. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Hij vormde de Heer God. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dus de levensadem in zijn neus. Et l'homme devint une âme vivante. De mens werd levend. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. De Heer plantte een hof in Eden. Du côté de l'Orient. In het oosten. Et il y vit l'homme qu'il avait formé. En plaatste de mens die daar. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. En liet er allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Agréable à la vue. Begeerenswaardig. Et bon à manger. Goed om te eten. Et l'arbre de la vie. Au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Amen. Nous sommes ici au commencement. Genèse est le livre de commencement. C'est le livre du début. Boek van het start. Nous parlons du plan parfait de Dieu. Die spreekt over de perfecte ce que Dieu a pensé, wat God heeft gedacht, ce que Dieu a conçu, wat God heeft c'était fait. Un produit de la réflexion même de Dieu, van de réflexie van avant God. De le mettre en œuvre, voordat hij het in werk zet. Car la Bible appelle Dieu comme étant l'architecte et le consulteur de toutes choses. Want God is de architect en de bouwer van alles. Il a un plan. Hij heeft een plan. Il a un projet. Hij heeft een project. Il a un schéma. Hij heeft een weg om te volgen. N'est-ce pas? Amen. Dès le commencement, sinds het begin, Dieu imprime son plan, heeft God zijn plan dans la création. In de schepping. Il crée la création. Hij schiep de schepping. Et pour couronner cela, omdat de kroon, Dieu crée l'homme. Schiep God de mens. À son image. In zijn beeld. Et à sa ressemblance. Zijn gelijkenis. Et donc ici nous avons vu. Hier hebben we gezien. Que quand Dieu a formé l'homme, toen God de mens il a fait à partir de la poussière de la terre. Vanuit de stof van de aarde. C'est-à-dire de l'argile. Dat wil zeggen. Tu as pris cela, et il s'est sali les mains, il a façonné la créature la plus merveilleuse qui existe. Il est question de toi et de moi. Et cette créature était inerte, elle n'avait pas de vie, elle était façonnée, l'homme était créé, mais l'homme ne respirait pas, l'homme ne bougeait pas. Pour que l'homme ne commence à bouger, pour que l'homme vive, om te leven, pour que l'homme respire, om te ademen, il fallait que Dieu souffle. Amen. Les théologiens disent, c'est comme si Dieu avait mis sa bouche contre la bouche de l'homme pour souffler dans ses narines, pour ressouffler le souffle de vie, om de levensadem in te zetten. Et la Bible dit, l'homme devint, en de mens werd, c'est-à-dire qu'il n'était pas, dus hij was mais il est devenu, maar une âme vivante. Amen. Donc pour avoir la vie, mais il faut le souffle de vie. Amen. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, amen. Amen. Mais tu ne peux pas avoir la vie sans le roi, sans le souffle, wow. Sans que Dieu lui-même te transmette ce qui est de sa nature, ce qui relève de sa vie, ce qui est de son essence, ne soit communiqué à l'homme. Je me suis. À partir du moment où Dieu avait soufflé sur l'homme, il est là. L'homme est devenu une âme vivante. Il a commencé à vivre.
Hij begon te leven, à bouger, te bewegen, à respirer, te ademen, à agir. J'aime quand l'Esprit de Dieu t'anime. J'aime quand l'Esprit de la langue céleste, l'Esprit qui dit le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. Donc l'homme a reçu deux types de vie. Là, la vie bios et la vie zoe. La vie bios parce qu'il commençait à respirer. Et la vie zoe parce que la nature de Dieu l'a imprégné. Et au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Non, il avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Parce que lui-même est éternel. Il n'a pas le commencement de jour. Il n'aura point de fin de vie. Et l'homme devait être son représentant. Et il devait vivre éternellement. C'est dans ce cadre-là que Dieu, qui est sage, il plante un jardin. En Éden. Et il fait pousser tous les fruits, tous les arbres. Et il y avait aussi l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que Lucifer avait déjà été précipité sur la terre. Le mal existait déjà. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme puisse avoir accès au mal. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé ça, il a mis l'arbre de vie. Mais il y avait aussi là de la connaissance du bien et du mal. Plusieurs personnes posent la question, mais pourquoi il y avait là de la connaissance du bien et du mal? La réponse est simple. Parce que le mal était déjà là. Mais l'homme n'avait pas le mal. Mais l'homme devait garder l'ordre de ne jamais manger, de ne jamais toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'il ne meure pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, selon la Bible, on entre en communion. La Bible interdit, dit vous ne pouvez manger, passer à la table du Seigneur et à la table des démons. Manger est à communier. Et Dieu ne voulait pas que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il voulait que l'homme mange l'arbre de vie. Amen. Oh, quelqu'un dit avec moi, tu dois manger l'arbre de vie. Amen. Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi je veux, manger le fruit de l'arbre de vie. Amen. Ce fruit donnait des arbres. Le fruit de cet arbre donnait des fruits, excusez-moi. Et ce fruit, le fruit de l'arbre de vie, c'est quoi? C'est la vie. Amen. Et autant il y a des fruits, autant quand tu manges, c'est la vie. Il y a un fruit qui s'appelle le salut. Il y a un autre fruit qui s'appelle la santé. Amen. Un autre fruit qui s'appelle la restauration. Amen. Un autre fruit qui s'appelle la prospérité. Amen. Un autre fruit qui s'appelle la joie. Amen. Les fruits de l'esprit. Amen. La paix. L'amour. La joie. La bonté. La patience. La bienveillance. Ça, c'est Dieu. Au commencement. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Très bien. Alors, l'ordre était clair. Il ne fallait pas manger de l'arbre de connaissance. Niet eten van de boom van kennis van goed. Il fallait manger de l'arbre de vie. Alleen voor de boom. Avant d'aller plus loin. Voordat we verder gaan. L'arbre de vie représente quoi? De boom van leven représente. Je donnerai deux trois propositions. Il y a plusieurs choses à dire, mais je vais juste résumer. Twee drie dingen zal even samen. Premièrement, ten eerste, l'arbre de vie, boom van leven, représente tout ce qui est la sémence de Dieu. Alles wat het zaad is. C'est une image de la parole de Dieu. Van het beeld van God. C'est une image de Dieu lui-même. Een beeld van God. Mais de manière visible. Et de manière physique. Il fallait manger pour avoir la vie et se maintenir en vie, en santé. Deuxième chose, l'arbre de vie donne la vie de Dieu. Troisième chose, l'arbre de vie nous donne la vie éternelle. Et vous devenez éternel. Éternel parce que Dieu est éternel. Et Dieu est vie. Il n'a point de commencement, il n'aura point de vie. Et quand tu as la vie éternelle, tu ne meurs plus. Et l'homme ne devait pas mourir. Alléluia. Et cette vie, c'est en Dieu. C'était une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. J'aime dans Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai.
Dieu et ton fils Jésus que tu as envoyé. C'est-à-dire quand tu as Jésus, tu as la vie. Et quand tu as Jésus, il te donne la connaissance de Dieu le Père. Il te donne la connaissance et il te donne la sagesse. Quatrième chose, l'arbre de vie nous parle de la sagesse de Dieu. Le temps m'est manqué, mais on pouvait lire Proverbe chapitre 3, verset 13 au verset 20. On nous parle de la sagesse de Dieu qui donne la vie. Celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. C'est la sagesse d'en haut qui donne la vie. Et Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire quand tu connais Christ, tu as tout. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? On va le voir. Le diable nous montre que l'arbre de vie n'est pas important. Que ce qui est important, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en manges, il te dit que tes yeux seront ouverts. Alors que mes yeux sont déjà ouverts. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Le diable te promet d'ouvrir tes yeux alors que tes yeux sont déjà ouverts. Je n'ai pas envie que mes yeux s'ouvrent partout. J'ai envie que mes yeux s'ouvrent sur le ciel. Parce que si mon ciel est ouvert, je suis béni. Mais il a dit ici que les yeux s'ouvrent. Quand vous mangez de cette arbre, vos yeux s'ouvriront. Nous s'ouvrirons pas seulement pour le ciel, mais s'ouvrirons aussi vers l'enfer. Or, Dieu ne veut pas que tu connaisses l'enfer. Dieu ne veut pas que tu sois conscient de comment le monde éternel fonctionne. Parce que tu n'as pas besoin de savoir. Parce que tu es déjà protégé. Tu es déjà béni. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent leur temps à parler. Je suis conscient de ça. Je veux déséquilibrer. Mais je ne crois pas que la mission que Dieu nous donne, c'est de parler du diable, de démons, de sorciers, matin, midi, soir. Non. Je n'ai pas besoin de connaître comment le faux fonctionne. Je connais le vrai, je détecte le faux. Tu n'as pas bien compris. Je dis, je connais le vrai. Le faux s'écarte de moi. Nous sommes très conscients de tous les démons, on peut même donner leur nom. Mais si je te demande qui connaît Jésus, on ne connaît pas assez Jésus, mais on connaît beaucoup de noms de démons. Il y a un problème sérieux. C'est une stratégie du diable. Parce que dans Genèse 3, il a sorti Adam et Ève du fruit de l'arbre de vie. Pour proposer l'arbre, la connaissance et le mal. Le démon n'a jamais changé de stratégie. Il n'a jamais changé de stratégie. Cher enfant de Dieu, aujourd'hui nous vivons un temps où le diable, la Bible dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. C'est dans le Dieu de ce siècle, en parlant de Lucifer, a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Cet évangile qui donne la vie. Le diable détourne nos yeux de ça pour nous concentrer sur la mort. Pour se concentrer sur le dos. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. Dis Seigneur, ferme mes yeux. Seigneur, slève mes yeux. Fais cette prière, Seigneur, ferme mes yeux. Et slève mes yeux. Au monde des ténèbres. For the dust of the heaven. Open my eyes. Open my eyes. For the golden crack for the heaven. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin. You have niets nodig. De connaître les profondeurs de Satan. Om de diepte van Satan. Tu n'as pas besoin. You have dat niet nodig. De connaître le mal. Om het kwade te kennen. Tu as besoin de connaître Dieu. Il est nodig om God te kennen. Être rempli de Dieu. Amen. Être rempli de la vie. Vervuld te zijn met leven. Et c'était ça. Dat was dans Genèse 3, le serpent est venu. Was de slang il a séduit la femme. Il est rentré. Il a sorti Adam. Hij heeft Adam eruit gehaald. De là où il y avait l'arbre de vie. Van de plek waar de boom is. Frère Joss, écoutez-moi bien. Luister goed naar mij. Là où tu auras la vie. Waar je het leven heeft. Le lieu où tu as la vie. De plek waar je het leven. Dans la présence de Dieu. In aanwezigheid van God. Dans la parole de Dieu. Het woord van God. L'ennemi fera tout. Zal de vijand pour te détacher de là. Om jou los te pour maken. Te sortir de la présence de Dieu. Uit Gods aanwezigheid. Pour t'éloigner. Om jou te verwijderen. T'éloigner de la vie de prière. Van het gebedsleven. T'éloigner de la vie de l'église. Van het leven van de kerk. T'éloigner de ton passé qui est le canal par qui Dieu te nourrit. Van de kanaal waar God te détacher. Hij wil u losmaken. Pour que tu puisses connaître la mort. Omdat u de dood. Et c'est ce qu'il a fait.
That's what I've Malheureusement, il a réussi. L'homme est tombé dans le péché. Le mens was gevallen. Il a mangé le fruit défendu. Le Seigneur avait dit, tu mourras certainement. Mais il n'est pas mort physiquement. Mais spirituellement, il était mort. Il y a plusieurs personnes qui ne meurent pas physiquement. Il y a plusieurs églises qui, en apparence, sont vivantes. Mais en réalité, elles sont mortes devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles se détachent de la source. Elles se sont éloignées de la source. Qui était Jésus, qui est Jésus, qui est l'arbre de vie. Allez dans le décor. Et ils ont comment tu commences à perdre le succès, la réussite et l'impact. L'impact de verliezen, succès de verliezen. Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente? Premièrement, il représente le mystère de l'iniquité. La Bible dit que ce mystère agit déjà. Lucifer avait été précipité sous la terre. Et la Bible dit malheur à la terre et la mer. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Sachant qu'il a très peu de temps et il cherche à dévorer, à tuer et à détruire. Mais le Fils est venu pour avoir la vie, pour donner la vie. Et quand le diable descend, il t'emmène une vie d'iniquité. T'éloigner de la présence de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Père, sœur, là où il y a la vie, la mort n'est pas loin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen. Là où il y a la vie, la mort n'est pas loin. Le diable va tout faire pour te sortir de là, pour que tu puisses t'éloigner de Dieu. L'arbre, la connaissance du bien du mal représente le péché. La connaissance sans Dieu. La connaissance véritable vient de l'arbre de vie. Mais le diable aussi a la connaissance. Il a sa sagesse. Paul appelle cela la sagesse du monde. Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Mais il a plu à Dieu de sauver le monde par la puissance de la croix, par la prédication de la croix. Tu comprendras tout à l'heure. Elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Amen. L'arbre, la connaissance du mal, du bien et du mal, était l'accès au mal, l'accès à la mort, l'accès aux ténèbres. Alors que Dieu avait créé les choses bonnes, quand le mal est entré, il y a eu ce qu'on appelle la dégénération. Trois mots que vous devez retenir. Nous sommes dans une conférence. Trois mots que vous devez retenir. Il fait partie du plan de Dieu. La première chose que je l'ai dit au départ, c'est dans la Genèse, le plan parfait de Dieu. On appelle ça aussi la génération ou la création. Quand le péché est entré, il y a eu la déchéance qu'on appelle la dégénération. Quelque chose était généré, était créé. Il y a eu destruction. Il y a eu quelque chose qui a été détruit, abîmé, gâté. Ça s'appelle la dégénération. Et le péché amène la dégénération. Que vous voyez son effet maintenant ou pas. Le péché conduit à la mort. Et il ne faut pas jouer avec cela. Je parle souvent aux personnes qui pensent être plus sages que Dieu. Dieu est le seul sage. Si Dieu a dit le jour tu manges, tu meurs. Crois-moi, le jour tu manges, tu meurs. Adam et Ève ont mangé. Physiquement, ils ne sont pas morts. Mais spirituellement, ils sont morts. Pourquoi ils sont devenus nus? La gloire de Dieu qui les enveloppait a été retirée. Ils ont connu l'Ikabod. La gloire était partie. Ce vêtement qui pouvait le revêtir, ce manteau de gloire, ce manteau de feu a été ôté. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'ils ont péché. Lucifer était dans la présence de Dieu. Le jour qu'il a péché, l'orgueil a été retrouvé en lui. Il a dit que je serai semblable au Très-Haut. Il n'a rien compris. Il a été précipité jusque dans les profondeurs de la terre. Juste à ses genoux.
dont il est là. Dieu n'a pas changé. God is indifférent. Il est saint. Amen. Il est là où on le vit. Il parle de cette nature de sainteté qui émane de sa présence. Il dit, vous serez saints à moi, votre Dieu. Je suis saint. Et la sainteté convient dans sa maison. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, nous devons rechercher la pureté de l'esprit. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons craindre Dieu. Nous devons rechercher ce qui plaît au cœur de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses comme nous pensons. Il y aura une rémunération pour chaque action. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La dégénération, c'est la ruine. Et c'est ruine. Les choses ont été ruinées. Les choses ont été cassées. L'ordre a été renversé. Il n'y a plus d'harmonie dans la création. La preuve, même les animaux qui étaient soumis à l'homme, il y a des animaux féroces aujourd'hui qui attaquent et menacent l'homme. C'est la conséquence du péché qui a déréglé les choses. Et quand tu as vu cela, tu as dit non, l'homme est en danger. Nous parlons de la conférence Zoé. L'homme est en danger. Et regardez ce que Dieu va faire. Genèse 3, verset 22 à 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Comme la coupe pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Et de prendre de l'arbre de vie. Et d'en manger. Et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chasse du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et regardez, mes frères, ce qui va se passer. Quand tu vois que Adam et Ève ont péché, Dieu dit qu'ils sont en danger. Leur mental devient contraire à l'état de Dieu. Leur nature devient contraire à la nature divine. Et que s'ils avaient accès à l'arbre de vie, ils seraient restés dans la mort éternelle. Il n'y aurait plus possibilité pour eux d'être restaurés. Il n'y aurait plus possibilité pour eux d'avoir à nouveau accès à cet arbre. Mais dans son amour, en tant que père, en tant que créateur, il dit, il est bon que je le chasse. Quelquefois chasser les gens, c'est pour leur remède. Quelquefois mettre les gens dehors pour les apprendre à comprendre la leçon. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Dieu chasse l'homme à l'extérieur du jardin. Parce que c'était dans le jardin qu'il y avait l'arbre de vie. De la même manière qu'il y avait le jardin d'Éden là au ciel. Quand Lucifer a péché avec ses gens, il voulait te chasser. De la même manière, tu chasses l'homme du jardin. Pour qu'il aille loin, afin qu'il n'ait plus accès à l'arbre de vie. Et Dieu, il met sur le chemin de l'arbre de vie des chérubins. C'est la classe d'ange qui protège la sainteté de Dieu, qui agitait une épée. Et le péché a jugé pour que si l'homme ose entrer et le prêt de tout, c'est-à-dire l'accès à l'arbre est fermé. On ne pouvait plus avoir accès. Mais l'homme était toujours en vie. La vie Bios était là. Mais la vie Zoé était perdue. Mais Dieu l'a tellement aimé. Il a voulu restaurer ce chemin. Mais il fallait qu'il prenne le temps. Voilà pourquoi le temps a été divisé en dispensations. C'était pour préparer l'homme à l'accès à l'arbre de vie. Il y a eu l'âge de la conscience. Il y a eu l'âge du gouvernement humain. Et pendant tous ces âges-là, la déchéance n'a fait que s'aggraver. Le monde ne fait que s'enfoncer. Quand la famille d'Adam, le couple d'Adam et Ève, a été affecté.
Il y avait même le jugement de Dieu. Ce qui n'était pas au commencement. Dieu va dire à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. C'est la conséquence du fait qu'il n'avait plus accès à l'arbre de vie. L'augmentation de la douleur. Il dit, tu accoucheras de douleur. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Et lui dominera sur toi. Oh, vous les femmes qui recherchez les droits des femmes. Revenez à l'arbre de vie. Tous vos droits sont dans l'arbre de vie. Je veux le dire encore. Tous vos droits, femmes, c'est dans l'arbre de vie. En dehors de l'arbre de vie, il n'y a pas de droit. Le péché amènera toujours les hommes à dominer sous les femmes. Les droits sont rendus à Jésus-Christ. Amen. En Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Y a-t-il des femmes dans cette salle? Je dis en Jésus, vos droits sont restaurés. En Jésus, votre dignité est restaurée. En Jésus-Christ, votre valeur est restaurée. En Jésus-Christ, votre fonction est restaurée. En Jésus-Christ, votre ministère est restauré. Oh, je croyais que je parlais à une femme. Je croyais que je parlais à une femme. Là où il y a les femmes, il y a la vie. Je vais le redire encore d'une autre manière. Le diable était sage, mais il n'était pas plus sage que Dieu. Il est passé par la femme pour que le monde tombe dans le ténèbre. Mais Dieu, dans sa sagesse, est aussi passé par une femme du nom de Marie pour être la porteuse, la mère porteuse qui sauvait de l'humanité. C'est pourquoi j'aime les femmes. Elles sont porteuses de vie. Elles sont porteurs de grâce, elles sont porteurs de vérité, elles sont porteurs de grâce, elles sont femme ne marche plus la tête basse. Ton créateur t'a restauré. Sans Marie, Jésus ne serait pas venu dans le monde. Et si Jésus n'était pas venu, je ne serais pas ici en train de vous prêcher. Donc tous les hommes, calmez-vous un peu. Regarde-moi les hommes à côté, dis-le calme-toi. Amen. Gloire à Dieu. L'homme a été chassé. De même, sans verrière. Le chemin a été fermé. Le verre was gesloten. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, en wanneer u leest het woord van God, à partir de cette dame, le mot a deux significations. Het woordje boom en hebreu et dans le grec heeft twee betekenissen in Hebreeuws en Grieks. Arbre de vie, boom des levens, nous donne en hebreu ets, geeft in het Hebreeuws ets, ets, ets. Alors, à chaque fois que vous dites arbre de vie, vous allez voir qu'il s'écrit ets. Boom des levens, ets. Et dans le grec, in het Grieks, c'est le mot, l'expression xylon. C'est xylon. Qui nous parle d'arbre. Wat spreekt over een boom. Et qui fait référence à la croix. Maar refereert aan het kruis. Quelqu'un me suit? Ah, oui. Van mij. Ja. Je ne vais pas rentrer dans la dimension du tabernacle parce qu'on risque de se perdre. Ik ga niet de dimension van het tabernacle. Retiens ceci que le chemin était fermé. Onthoud dit, de weg was gesloten. L'accès était fermé. De toegang was gesloten. Plus tard, quand il fallait avoir la tente d'assignation, il y avait également des rideaux qui séparaient. Là où il y avait le bois, l'arche. L'axe est également fermé. Later waren gordijnen. Parce que la nature humaine n'est pas accès à l'arbre de vie. Hadden binnengesloten. Mais béni soit le nom du Seigneur. Maar gezegend zij de naam van de Heer. Dieu ne s'arrête pas à se contenter de la dégénération. God was niet tevreden met die degeneratie. Dieu ne se contente pas de regarder les ruines. Of te kijken naar de vervoering. Dieu ne se contente pas de regarder que tout va mal. Of te kijken naar alles gaat slecht. Justement, c'est parce que tout va mal qu'il a envoyé Jésus. Omdat alles slecht ging, heeft hij Jezus. C'est justement parce que le monde est perdu qu'il a envoyé le souverain berger. Want hij de souveraine herder gestuurd. Justement parce que ça va pas. Nous sommes malades. Nous sommes égarés. Que nous avons besoin d'un sauveur. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique, Jésus. Afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Mais comment Dieu va s'y prendre? Son fils est venu. Dieu a été fait chair. Il est venu s'incorporer dans un corps humain. En lui habiter dans ce corps. La plénitude de la divinité. Il était 100% Dieu. Il était 100% homme. Il plut à l'éternel. Que toute plénitude habita en lui. Voilà pourquoi lorsque vous le regardez, en apparence, il n'avait
ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'était Dieu au milieu de nous. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi le ministère de Jésus a été caractérisé, était marqué par la vie. Mais il n'avait pas la vie, mais il était la vie. Oh, tu ne comprends pas très bien. Il n'avait pas que la vie, il était la vie. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il rencontrait des hommes morts, la mort se traduit par quoi? Par une vie de péché. Il rencontre les pécheurs, il leur apporte le salut par le pardon du péché. On a fait des gens et non un genou paralytique. On le fait rentrer par le toit d'une maison. Et Jésus le regarde. Tellement qu'il y avait la foule. Jésus lève les yeux. Et pour choquer ceux qui étaient là, et pour leur montrer que celui qui parlait n'était pas seulement un prophète, mais plus qu'un prophète, c'était l'arbre de vie déguisé. Et bien ce homme-là, les péchés se sont pardonnés. Ils ont été choqués. Ils disaient, mais qui peut pardonner le péché si c'était Dieu? Mais il leur a dit simplement, indirectement, mais en réalité, je suis Dieu. Et si vous croyez, si vous doutez que je n'ai pas la capacité de pardonner les péchés, cette paralysie vient de ce qu'il a péché. Lequel est le plus aisé? C'est le but de tes péchés sont pardonnés. Ou de te dire là où toi et marche. Et afin que vous sachiez que le Fils de Dieu, que le Fils de l'homme a la puissance sur la ciel et sur la terre, sur toutes choses, paralysique. Lève-toi, retourne-lui, et le paralytique, je ne sais pas depuis combien d'années il était paralytique, couché à cause de la maladie, au son de la voix de Jésus, sa voix faisant dans les montagnes, la voix de Dieu vers le fond de l'église, la voix de Dieu, oui, le Seigneur du vivant. La foi de Dieu, elle est puissante pour pousser la maladie. Il s'est levé, il a pris son lit, il va commencer à marcher. Jésus est la vie. Non, je dis à quelqu'un, Jésus est la vie. Je dis à quelqu'un, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Amen. Un jour, une heure, il était dans le temple. Quand ça, il était. Amen. Il était en train d'écrire. Et on lui amène une femme. Ze brengen een vrouw mee. Attrapée en flagrant délit d'adultère. Een betrapte overspel. Et ceux qui l'ont amené, ils ont voulu l'éprouver. Wilde hem beproeven. Il dit, mais oui, la loi dit que de wet zegt, on doit les lapider. Deze vrouw moet verstenigen. Mais excusez-moi, cher monsieur religieux, on solo. Maar okay. Kun je niet overspel plegen? Okay. Overspel wordt in duo. Comment vous amenez une femme solo? Hoe brengt hij alleen die vrouw alleen? Jésus est trop sage. Amen. Oh, laisse-moi te dire que personne ne te condamne. Ah, tu es la bête qu'on a condamnée. On a mis sur toi une étiquette. Oh, Jésus va confondre cette étiquette. Amen. Il va enlever l'étiquette sale. Il va te mettre une étiquette blanche. Amen. Il va te donner un vêtement blanc. Une robe blanche, comme on a tout à l'heure. Et Jésus se lève. Il lève la tête et dit, lequel de vous n'a jamais péché? Wie van jullie is van de zonde? Neem de eerste steen om te gooien. Il écrivait dans le temple. Hij schreef. Mais je me suis dit, dans le temple, il n'y a pas la terre, il y a. Le temple is er geen. Il écrivait comment? Hoe schreef hij dan? Il s'est rappelé. Les élèves qui étaient dans l'écriture. La vie, ces gens qui étaient là. De mensen daar waren. Et tous accusés par leur conscience. Beschuldigd door hun geweten. Depuis le plus petit. Depuis le plus grand. Vanaf de grootste. Jusqu'au plus petit. Tot aan de kleinste. Ils ont jeté leur. Hebben hun steun weggegooid. Ils sont partis. Ils zijn weggegaan. Et Jésus se lève. Jezus staat op. Vrouw. Waar zijn de mensen die te condamnen? Waar zijn de mensen die hebben beschuldigd? Je ne sais pas dire, moi non plus, je te condamne. Ik voor New York. Va in le péché. Ga en zondig niet meer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Als boom des levens, capable de pardonner. Ils zijn in staat om jou te vergeven. Vous avez des gens qui ne peuvent pas aller loin parce qu'ils ont tellement fait des fautes graves. Ils ont commis des péchés tellement graves.
deze acquis door de mens. Mensen kunnen niet ver gaan omdat ze zulke erge dingen hebben gedaan dat de duivel beschuldigt. Je moet het zeggen, Jezus op het antwoord is capable de facer tout de péchés. Amen. Als je het volgende schaamwazier de mens als schaar lijken. Hij zal het wit maken als zin. Lorsqu'il rencontrait des gens malades. Toen hij zieke mensen ontmoette. Il le guérissait. Genas hij hen. Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit de force. Weet je hoe God. Jésus de Nazareth. Had gezorgd. Allant de lieu en lieu. Van plek tot plek. Faisant du bien aux gens. Deed goed tot mensen. Et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Genas zij die onder de kwel van de duivel. C'est ça la vie. Dat is het leven. Là où il y a la vie. Waar leven is. On fait du bien. Doen we goed. Là où il y a la vie. Waar leven is. On ne pleure plus. Waar leven niet. Là où il y a la vie. Waar leven is. On se réjouit. Verheugen. Là où il y avait la mort. Dood is. Je me rappelle de cette femme. Ik herinner deze vrouw. Cette veuve de la ville de Naïve. Weduwe uit de stad. Qui avait perdu son fils. Ja, zoon had verloren. Il venait pour enterrer. Ze ging naar elle avait perdu espoir. Alors qu'il était dans le cortège funèbre. Alors vers le cimetière. De l'autre côté, il y avait Jésus. Et Jésus a dit à la femme de pleurer plus. Et cette jeune, il a juste touché de son cœur. Il dit, jeune homme, lève-toi. Il n'a pas touché le jeune homme, mais il a touché le son cœur. La puissance a touché le poids, le poids a touché le corps. Le corps a été vivi. Amen. Amen. Jésus lui dit, là où il y a Jésus, même si les choses étaient mortes, elles vont reprendre vie. On a dit, Lazare est dans la tombe. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Mon Dieu n'arrive jamais trop tard. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de son père est en avance. Vous pouvez être en retard. Mais Dieu arrive au bon moment. Le temps de l'assurance. Le temps de la visitation. Là où il y a la vie, Dieu visite. Dieu Lazare sort. Je sortais la pierre. Je déclare à quelqu'un qui était couché. Tu ressens la vie de Dieu. Amen. Et si tu sens que tu es mort, ressens de ma voix ce soir. Elle me prenne vie. Je dis, elle me prenne vie. Par la puissance de Dieu. Amen. J'aime beaucoup la puissance de la résurrection. Ik hou veel van de kracht van de opstand. J'ai toujours dit, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Ik heb altijd gezegd, dit gaat alleen mij aan. La puissance de la résurrection, elle est supérieure à la puissance de la création. De kracht van de opstanding is supérieur dan die van de kracht van de schepping. La puissance de la création amène à l'existence. De kracht van schepping brengt op bestaan. Mais la puissance de la résurrection, maar de kracht van de schepping sous-entend que quelque chose existait. Wil zeggen dat iets bestond. Était déjà créé. Was geschapen. La nature humaine, de menselijke la chair humaine, mais qui a connu la mort. Et quand il y a mort, il n'y a plus de réfraction. Et là, il n'y a plus de réfraction, il y a décomposition. Okay. La matière. Là, il y a décomposition, ça veut dire qu'il est impossible de revenir à l'état initial. Comme le cas de Lazare. On n'a pas supposé qu'il sentait. Il sentait déjà. Ça veut dire qu'il y avait déjà plus de réfraction, ce qui sous-entend qu'il y avait décomposition. Mais lorsque la puissance de la résurrection arrive, elle change les données. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un, les données vont changer dans la vie. Amen. Tu vas changer les situations dans la vie. Amen. Si on était mort, on va commencer à répondre de vie. Amen. Je vois quelqu'un qui était désespéré. Il n'avait pas espoir. Amen. Oh, t'as dit que c'était fini. Le médecin a prononcé dit cette maladie. Tu ne guériras pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Il n'a pas dit le dernier mot. Il m'a redonné vie. À ceux qui étaient morts. Nous autres, leur étions morts. Et là, ça nous avait même enterré. Ça nous a enterré. Voilà, c'est fini. Ouais. Pour marquer qu'on t'a enterré, on met une pierre tombale. Et ça nous a enterré. Qu'on va de l'œuvre. Mais quand la puissance de Dieu. Mais venez le crâne quand on t'a enterré. Le jour où Jésus a ressuscité. Le temps où Jésus a ressuscité. De aarde. De God te beven. De kracht. Ça va faire vibrer les choses. Zal dingen doen trembler. Zal dingen doen beven. Les murailles vont commencer à tomber. Les montagnes vont s'écrouler. Et la puissance de Dieu va pénétrer. Kracht van God zal pénétrer. Et on va plus te reconnaître. Oh, on t'a connu avec un éclat. Tu sais, tu vas ressusciter avec un autre éclat. Amen. On t'a enterré, on a dit, hey, c'est fini. Mais Dieu dit, non, c'est maintenant que je commence. Amen. Je suis venu à quelqu'un,
maintenant que Dieu va commencer avec toi. Amen. C'est aujourd'hui que Dieu va commencer un nouveau ministère avec toi. Amen. C'est aujourd'hui que Dieu va commencer un nouvel élan avec toi. Amen. C'est aujourd'hui que Dieu va commencer un nouvel étape avec toi. Amen. Te laten zien dat hij leven is. En Johannes 5 vers 12 wordt gezegd. Dat wie de zoon heeft, heeft het leven. En Johannes 5 vers 12 tot 13. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar omdat dit leven vooruit gegeven is aan de mensheid, il fallait qu'il soit pendu au bois. Moest hij aan het kruis hangen. Et je vous propose deux textes pour le temps de lire. Twee teksten schrijf ik voor geen tijd om te lezen. Le premier, c'est dans le livre de Actes, chapitre 5, verset 30. Handelingen 5, vers 30. Où on dit qu'il a été pendu au bois. Hij was gehangen aan hout. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Actes, chapitre 10. Tweede tekst, handelingen 10. Verset 39. Vers 39. Où on dit qu'il a été pendu au bois. Hij was aan het hout gehangen. Et le troisième texte, c'est dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13, c'est le dernier. On dit maudit et quiconque est pendu au bois. En réalité, sur le bois, il y a eu transfert. Dans ce transfert, il a pris nos iniquités. Il a onze ongerechtigheid. Et nous a donné sa justice. Amen. Il a pris des problèmes. Hij nam jouw problemen. Et il t'a donné son repos. Hij heeft jouw rust gegeven. Il a pris des maladies. Et il te donne sa santé. Amen. C'est par ses meurtrissures. Vous avez été guéri. Puisqu'il n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait pécher. Afin de nous justifier. Voilà pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi tu dois revenir à Jésus. Tu dois donner ton cœur. Le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et en Jésus, le chemin s'ouvre. Alléluia. Ça va? Le micro? Deze boodschap had ik niet voorbereid. Je suis juste en train de parler par la puissance de l'esprit. Maar ik spreek door de kracht van de geest. C'est tout. Dat is alles. Le chemin était fermé. De wacht was gesloten. Et par le sang de Jésus. En door het bloed van Jezus. Le sacrifice à la croix. Het offer op het kruis. Le chemin était ouvert. De weg geopend. C'est-à-dire que tu peux t'approcher maintenant. Dus je kunt nu dichterbij. Dans la plénitude de la foi. In de volheid van de confiance. Quand on parle de Zoé, on ne peut pas dire que la vie est là-bas, il faut courir. Le Christ est dans le désert, courir. Le Christ est dans les forêts, aller. Non, 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 non.
Non, le super apôtre international, le bishop interplanétaire, le prophète, je ne sais pas qui, il donne pas la vie. Quelqu'un me suit. Regardez comment on tombe aujourd'hui dans le piège. Et certains d'entre nous, serviteurs, n'ont pas le peuple. Nous voulons leur montrer que c'est nous qui faisons. C'est complètement faux. Nous sommes des dispensateurs des mystères. Nous ne sommes pas la source. Mais nous sommes des voix. Des canaux. Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Nous présentons la vie. Amen. Nous vous annonçons la vie. Amen. Je suis venu ici pour faire une exécution de ma vie. Encore moins de mon ministère. Encore moins de ma personne. Je ne peux rien te communiquer. Mais celui dont je te parle, la vie éternelle, la personne de Jésus, est capable de changer de vie, est capable de guérir, est capable de sauver. Il a mis fin à la dégénération. À partir de Jésus, on ne parle plus de dégénération, mais on parle de régénération. Amen. On parle de non ré. C'est-à-dire, il y avait un enfant qui n'a pas marché. Mon Dieu s'appelle un Dieu de ré. Mon Jésus s'appelle un Dieu de ré. Donc, il ne m'a pas suivi. C'est un Dieu de ré. De récupération. Les choses que tu as perdues, le ré arrive et tu le récupères. Il a dit, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait les sauterelles, il y a mon peuple ne sera plus dans la confusion. J'annonce à quelqu'un le temps de récupération en Jésus-Christ. Si tu avais perdu, tu vas retrouver. Si tu étais fils perdu, le fils prodigue, tu seras retrouvé dans la maison du Père. Un Dieu d'ennemi. Restauration. J'entends quelqu'un dire restauration. Restauration. Je ne sais pas ce que c'était défectueux. Relation amoureuse défectueuse. Défectueuse. Mariage défectueux. Problème. Qui amène des problèmes, des situations compliquées. Jésus-Christ va amener la restauration. C'est pour ça qu'il dit à Ézéchiel. Il a parlé d'ossements desséchés. Il dit que vois-tu? Oh, je vois une vallée. Rempli d'ossements. Il n'y a pas de vie. Il ne perd pas espoir. Parce que c'est moi qui suis la vie. Il y a un fils de l'homme prophétise. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois te lever. Et commencer à prophétiser sur des choses qui ne vont pas. Commence à parler. Parce que tout écoute. Là, tu n'as pas entendu, tout écoute. Si le mort, les cadavres peuvent écouter. Il y a quelqu'un de sans chair peut écouter. Et le problème d'argent. Un problème. Va écouter. Au nom de Jésus. L'Europe est difficile. La Hollande est difficile. Je ne le dis plus jamais. C'est facile. Plus tu vas déclarer, c'est facile. Plus tu vas commencer à voir que c'est facile. La Paris, on nous a dit non. Les églises n'avancent pas. Les églises n'achètent pas. Nous, on avance. Nous, on progresse. Même dans les confinements, on a implanté des églises. Donc,
pas bien compris. Dans le confinement, les membres de ton bâtiment, bien aimé, c'est possible. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Oh non, à l'Olande. C'est difficile de réveiller le Christ. Difficile pour tout le monde, pour toi, c'est possible. Alors j'attends quelqu'un qui me donne un mot. Amen. C'est le temps de la restauration. C'est avec toi, restauration. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Crois, amen. Croit. Amen. Moi je crois. Il est le Dieu de la résurrection. Amen. Tu vas ressusciter. Vous savez, le monde spirituel est réel. Le monde des esprits est réel. Les réclamations sataniques sont réelles. Amen. Oui. Mais en Jésus-Christ, Jesus Christus, même si on t'avait déjà tué mystiquement, tu sais, il y a des gens, bon là je vais rentrer un peu dans le domaine de la délivrance. Ik ga een beetje domein van bevrijding binnen. Vous m'excuserez, certains théologiens ne croient pas à ça, mais en moi je crois. Mij, maar sommige theologen geloven dat et on peut faire un débat théologique. We kunnen theologisch debat doen als u wil. J'ai vu des personnes. Ik heb mensen gezien. On avait tué mystiquement. Die ze mystiek gezien hadden gedood. Le monde des ténèbres. In de duistere wereld. Ze hadden zijn ziel al afgenomen. En wat ik zeg is ongeveer 20 jaar. Hij verwacht alleen zijn dood. Hij werd gek. En ze voelde dus de geur van de dood. Maar ademde nog. Eén week ging we retretten. De bevrijding was verschrikkelijk. De geest is waard. Geest van familie. Vanwege jaloezie. En de macht van God had opgezet. Ik stelde mij de vraag, ik heb geen antwoord. Hoe kan iemand straks van een psychiatrie dood worden, maar ze wacht op de dood, dat ze sterft. En dat Jezus deed opgezet, die heeft ze het vlees opgezet. Heb je het antwoord? Heb je het antwoord op de vraag? Heb je het antwoord op de vraag? Hebben het vlees op uit dat mensen, zelfs als je gegeten was, on va te amen. 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 Er zijn mensen die ne pas soort aanvallen niet kennen, dat is van de grijp. Familie is waar veel voor mensen. Aan het einde van het jaar worden mensen opgeëist in de familie. Ce sont les cycles des alliances qui doivent se renouveler. Het zijn tekens die telkens weer komen. En la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ. Maar Jezus Christus is capable de ressusciter. Amen. Amen. Le poisson qui avait avalé Jonas l'a vomi. Amen. Le sorcier qui a volé, qui a parlé des affaires m'a vomi. Amen. Et tout ce que la matérialité va te vomir. Amen. Je dis tout ce que le ennemi avait avalé, il est en train de vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Nous sommes dans le temps de la récupération. Jésus est l'arbre de vie. Jésus est avec moi l'arbre de vie. Je finis avec ce deux textes et puis nous allons prier. Ik eindig met deze twee teksten en dan gaan we bidden. Apocalypse chapitre 2. Openbaring 2. Apocalypse 2. Openbaring 2. Le verset 7. Vers 7. Apocalypse 2, verset 7. Openbaring 2, vers 7. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. De oreille heeft, laat die luisteren. À celui qui vaincra. Wie zal overwinnen? Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Geef het eet van de boom des levens. Hier dans le paradis de Dieu. Die in het paradijs van God staat. Voyez, l'arbre de vie était encore sur terre. Dus de boom van God was nog aan. Dans le paradis de Dieu. Maar nu bevindt zich in het paradijs van God. Jezus is gekomen. Le chemin, la vérité, la vie. De weg, de waarheid, la croix est l'instrument de notre victoire. Het kruis is het instrument van onze overwinning. Wij moeten beleiden. Vivre la croix. We moeten het kruis leven. La croix est la puissance de l'évangile. Het kruis is de kracht van de chrétien. De kracht van Christus. La croix. Het kruis. Renoncement en soi.
la marche par la foi door geloof et la dépendance à Dieu en afhankelijkheid aan God. Il dit celui qui vaincra wie overwint qui vaincra le monde de il dit prenez courage vaincu le monde et dans le monde il y a de la connaissance du bien et du mal. Je l'ai vaincu in de wereld is boven par la croix la croix et la victoire de l'église aucun sorcier sataniste même qui a été envoyé ne peut résister là où il y a la vie où on proclame la croix geen enkele heks sataniste kan overwinnen waar het kruis is. Wie overwint, die mangera ce fruit. Zo eten van de vrucht. Ja, die kan van mijn keur. Is iemand die overwinnaar door zijn? L'arbre de vie qui était fermé. De boom des levens die gesloten was. Accessible pour toi. Het is toegankelijk. Apocalypse 22. Openbaring 22. Verset 1 au verset 2. Vers 1 en 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Dat liet mij een golf stroom zien. Apocalypse 22. Openbaring 22. Il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Regardez, au milieu de la place de la ville, là nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Nous sommes au ciel, in de hemel, là où sa gloire réside. Il vit au milieu de la place de la ville, in de midden van de straat, et sur les deux bords du fleuve. Aan de andere zijde, regardez, il y avait un arbre de vie. Was de boom des levens. Un arbre. De boom des levens. L'arbre de vie de Genèse 2. De boom des levens van Genesis 2. Dans le jardin d'Eden. In de tuin van Eden. Se trouve dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et ce que j'aime ici. Wat ik hier vandaag. Et cet arbre de vie. De boom des levens. Produisait 12 fois des fruits. Produiseerde 12 vruchten. Il y a 12 mois l'année. Er zijn 12 maanden in het jaar. Et chaque mois il y a des fruits de cet arbre. En elke maand zijn er fruits. Et dans cette présence, il y rendons son fruit chaque mois. En elke maand. Tu vas manger le fruit de la vie. Zo die de vrucht des levens. À chaque fois que tu passes et tu vis la croix de Jésus, als je leeg krijgt, tu as accès à la vie de Dieu. Toegang tot de leven. Et puis dans les feuilles servaient à la guérison des nations. De bladeren zijn tot genezing. L'arbre de vie ne donne pas que la vie. Het geeft niet alleen leven. Mais elle t'aide aussi à guérir les nations. Om naties te genezen. Église du Seigneur. Kerk van de Heer. Nos nations sont malades. Onze naties zijn ziek. La Hollande est malade. Nederland is ziek. L'Europe est malade. La France est malade. Les nations sont malades. Elles n'ont pas d'espoir. Elles ne savent qui se tourner. Elles n'ont pas de solution. Elles sont perdues. Parce que la solution ne vient pas des richesses. Ça ne vient pas de l'argent. Ni l'homme ni l'argent ne peut sauver un homme. Mais seul le nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous de quand Pierre et Jean allaient au temple. Ils ont vu ce paralytique qui était au temple. Qui ne pouvait marcher. Qui faisait la manche. Qui demandait qu'on lui donne de l'argent. Mais lorsque Pierre arrive, il dit fixe-nous. Regarde-nous. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Parce que l'argent n'a pas sauvé cet or. L'or n'a pas guéri cet or. Mais il dit ce que j'ai. La personne de Jésus. L'arbre de vie. Je te le donne. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus fera marcher tout ce que l'argent n'a pas fait marcher. Tout ce que l'homme n'a pas fait marcher. Tout ce que l'intelligence des hommes n'a pas fait marcher. J'aime beaucoup la science. Mais quand je vois, j'observe la science, j'observe les scientifiques. Je vois vraiment que nous sommes limités. Mais bien que Jésus, la sagesse infiniment valide, il y a la solution. Verset 14. Verset 14. C'est mon dernier verset. Heureux. Gelukkig. Ceux zij qui lavent leur robe. Die zijn hun kleren afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Om recht te hebben. Et d'entrer dans les portes de la ville. En binnen te treden. Dehors les chiens. Weg de honden. Les magiciens. Magiërs. Les débauchés. Zij die les meurtriers. De moordenaars. Les idolâtres. Les quiconque aime. Wie pratique le mensonge. Qui doet de leugen. Pour avoir droit à cet arbre. Om
recht hebben tot deze boom. Moet u de wereld overwinnen. La première chose qu'on a vu, la deuxième chose. De eerste, la tweede is. Tu dois avoir de vie. Uw rechterlijf tot boom. Tu dois laver ta robe. Moet u uw kleding wassen. La robe est l'image de la justice. De jurk is het beeld van gerechtigheid. Tu dois avoir une vie de sainteté. Het is een leven van heiligheid. C'est à cause du péché que l'homme a été chassé. Door de zonde was de mens weggejaagd. Maar als u vieze kleding heeft, pas t'approcher de l'arbre de vie. Kunt u niet dicht bij het boom des levens komen. En de vrucht eten. God roept zijn volk tot de heiligheid. Niet door jouw kracht. Omdat u steunt op de genade. Jezus is onze heiligheid. Maar u moet de heiligheid opzoeken. Anders zult u God niet zien. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Zijn die recht hebben op de bok. Dit is het heilig. Elke dag. Laat daarom. Was u hier gepakt, bereid u voor. Heilig uw hart. Als u een probleem heeft met mensen, ga u verzoeken. Als u een zonde heeft, ga vergeven. Als we onze zonde beleiden, zijn onze vergeven en doet. Ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Jezus de bron is hier. Jezus is de bron is hier. Hij is degene die leven geeft. Hij is de bron die jouw leven zal geven. Jésus, Jésus, Jésus,
Seigneur, je vais récupérer. J'ai perdu par mes erreurs. Tu es une bise de secours pour ma vie. Oui, tu es la voie de sortie pour ma situation. There is power.
Thank you.
Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Je vois quelques réalités de la vie. Et l'ennemi peut se servir de ça pour mettre un doute en vous. Seigneur me dit, ne regarde pas ça. Lui-même va s'en charger. Lui-même va s'en occuper. Il y a des yeux fixés sur la croix. Je te vois prêcher la puissance de la croix. Je me vois prêcher. Et je vois les choses en train de se produire. Pour nous utiliser dans la dimension des guérisons, des guérisons de vie extraordinaire. Seigneur, merci pour cette femme. Oh my God, je suis trop fort. Oh, c'est le cas. Regardez ma sécurité. Pour savoir que c'est toi. Il est arrivé d'avoir des anges. Je had dromen gehad. Où tu te voyais en train de prêcher la parole. Et jezelf zag het woord preken. La main de Dieu est sur toi. De hand van God is op je. Viens vers moi, je veux. Kom dan naar mij toe. Le Seigneur est en train de t'appeler. De Heer is weer aan het roepen. Il veut que tu le serves. Hij wil dat je hem dient. Il veut que tu entres dans la moisson. Dat hij veut te former, il veut t'équiper. Hij wil je former. Mais c'est pas bien, viens, viens, kom dan. Je dis, tu as vu, tu t'es vu en train de prêcher la parole. Je vous offre zin, preken. Kom dan aan. Levantez-moi. Lève ons hand omhoog. Et où est cette personne? Waar is die persoon? Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Seigneur, je prie pour ton nom. Si tu crois, tu verras. Je prie pour ton nom. Si tu crois, tu m'as dit de parler de l'âme de Dieu. Et de que chaque personne ici présente soit visitée par toi. Puisse rencontrer. Au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui sont chargés soient déchargés. Que ceux qui ont du poids, les fardeaux, soient déchargés. Que mon Dieu vous bénisse.